Jesus is the new wave. Still drop, drop. Lord, I give you all the glory, glory, glory. And I give you all the honor, honor. Yeah. For everything that you do, that you do. Yeah. I'ma praise your name, oh, I'ma praise your name. Continuons avec la prochaine question. La prochaine question, c'est mon deuxième prénom. Je pense que cette question, eux tous vont échouer lamentablement. Parce que, voyons voir. Voyons voir. Donc, la sixième question, mon deuxième prénom. Donc, voyons voir la réponse de Bénédicte. Question numéro 6, mon deuxième prénom. Le deuxième prénom de Patricia, je crois, c'est Moutara. Moutara, je savais qu'elle allait dire Moutara parce que c'est ce que j'ai sur mon Instagram en fait, sur mon YouTube. Mon YouTube au fait, Moutara c'est le nom de mon père que j'ai juste pris Tricia et puis Moutara. Moutara c'est pas mon deuxième prénom en tout cas. Non guys, you guys like you just mess around. Donc voilà, c'est pas ça la question, c'est pas ça du tout, c'est pas ça la réponse du tout. Donc voilà, la réponse c'est pas ça du tout. Donc voilà, passons. Donc on va voir la vidéo, on va voir ce que Charlie a dit par rapport à la sixième question, mon deuxième prénom. Ton deuxième prénom. Patricia Song, ton deuxième prénom, je ne sais pas. Comment ça tu sais pas? Ça me choque en fait. Ça me choque parce que. Comment ça tu connais pas mon deuxième prénom? Tu vois? Donc, à cette question, Charlie a 0. 0, donc ça lui donne 9 sur 12. Il a 0 sur cette question. Il a 0 sur cette question. Et donc, voilà. Et yeah. Donc on va voir la réponse de Ketia. On va voir la réponse de Ketia. Je sais que. Donc même Ketia sur 12. Sur 12, je dirais qu'elle a 8 sur 12 parce que elle n'a pas bien répondu à la sixième question. Elle aussi elle a dit Moutara. Moutara c'est pas mon deuxième prénom. Donc vous tous vous avez échoué. Mon deuxième prénom c'est Amanda. Et tout, c'est vrai que je n'utilise pas ça vraiment, mais c'est mon deuxième prénom. Je crois que c'est mon prénom de baptême ou un truc du genre. Donc maintenant là, vous savez. Donc voilà, on passe à la septième question. Voyons voir ce que Ketia va dire par rapport à la septième question. Charlie. Donc, la septième question en fait, c'est le nom de mon meilleur ami. Ok. Elle a bien répondu. Donc sur 14, elle a 10 sur 14. Pour le moment, 10 sur 14. Elle a 10 sur 14. Le septième question, le nom de mon best friend. Your best friend's name? I think it's Benedict. Oui, ma chérie, toi, t'es dans mon cœur et tout ça. Donc voilà. Elle a dit le nom de mon best friend, c'est Benedict alors que c'est Charlie et tout ça. Donc. Je pense que c'est donc jusqu'à présent Bénédicte, je crois que sur 14 Bénédicte a vraiment je vais faire les calculs au montage parce que là vraiment je sais pas. On est sur 14. Sur 14, Charlie a 11 sur 14, Bénédicte a toujours je crois 8 sur 14 et Ketia a 11, non, elle est à 8 sur 14. Donc voilà, je vais passer à la prochaine question. Voyons voir la question. La question 8, c'est quoi mon défaut? Donc voyons voir comment ils ont répondu. Ok, 8e question. Son défaut. Les défauts de Patricia. Patricia est un peu colérique. Ok, question.
Bénédicte a dit que je suis plutôt colérique. Si c'est, je dirais pas que je suis colérique, mais quand même, je lui donne des points. Donc, qui la ramène à 10 points, à 10 sur 16. Donc, ça la ramène à 10 sur 16. Parce que parfois, je peux être vraiment colérique et tout. Vraiment, ça c'est quand même très pas beau à voir. Je commence à casser des trucs et tout ça. Donc, voilà. Là, c'était vraiment avant, mais je lui donne quand même des points. Elle a dit je suis super curieuse. Au fait, c'est pas vraiment la curiosité, mais j'aime au fait quand tu commences à me dire quelque chose, j'ai tendance à vouloir savoir et finir ce que tu as commencé. Tu vois, tu vas pas venir me dire quelque chose et puis tu finis pas. Attends, c'est quoi ça? Donc je dirais que je vais quand même donner des points par rapport à la curiosité. Je vais quand même donner des points par rapport à la curiosité. Donc voilà. Je donne un point. En fait, deux. Je donne carrément les deux points à mon défaut. Donc, c'était en 9 sur 14. 9 sur 14. Et puis 11 sur 16. Elle est à 11 sur 16. Elle est à 11 sur 16. Donc, on passe à la prochaine question. C'est quoi mon. C'est la question 9. C'est quoi mon celebrity crush? Donc, voyons voir ce qu'elle va dire. Her celebrity crush, Samuel Washu. What? I don't even know who's that person. Je connais même pas le gars qu'elle a dit. Vraiment, je comprends pas. Pourquoi elle, je sais pas parce qu'elle a trouvé ce nom, cette personne. Mais à la fin, je mettrai et je vais répondre à ces questions moi-même et tout ça. Et puis, vous allez voir. Mon celebrity crush, je mets ça partout sur mon Instagram, sur mon WhatsApp. En fait, c'est pas moi mon celebrity crush, mais c'est la personne qui m'inspire. C'est Cora Music. It's a gospel singer. C'est un artiste chrétien et tout ça. Il m'inspire beaucoup et tout. Je sais pas si vous connaissez ses chansons. Vraiment, il m'inspire de ouf. Donc voilà, je sais pas ce qu'elle a trouvé le Samuel Wesh là. What are you talking about? Ok, on passe à la prochaine question. Le nom de mes parents. Je donne tous les points parce qu'elle a très bien dit ça. Le nom de mes parents, maman Nelly, papa Arsène, Tara. Donc voilà, je donne tous les points. Elle a essuyé au Celebrity Crush, donc ce qui lui fait 11 sur 18. 1 sur 18. Et là, maintenant, elle a eu les deux voix. Donc, ça fait 13 sur 20. 13 sur 20. Donc, voilà. 13 sur 20. C'est pas mal, ouais. On passe à la prochaine question. Je suis plutôt introvertie ou extravertie. Voyons voir ce que Kétia va dire. Est-ce qu'elle est plutôt introvertie ou extravertie? Donc voilà, je suis introvertie et je pense que c'est vrai. Donc elle a tous les points. Donc sur 22, je pense qu'elle est arrivée. Avant c'était 13 sur combien? 13 sur 20, ouais. Maintenant elle est à 15 sur 22. 15 sur 22. Donc la prochaine question, c'est quoi la destination? La question 12, c'est quoi la destination de voyage de mes rêves? Voyons voir ce que Kétia va dire. La destination de voyage de ses rêves, je pense que c'est Dubaï. Oui. What? What did she say? Elle aussi, elle a dit Dubaï, la même chose que Bénédicte. Elle a dit Dubaï et tout ça. Vraiment, je pense que Dubaï, c'est l'endroit où j'aimerais vraiment aller en vacances avec mes amis. Voilà pourquoi je pense qu'elles sont toutes en train de dire Dubaï, parce que c'est l'endroit où j'aimerais aller avec toutes mes copines et tout ça. Tu vois un peu, voyage de groupe et tout. Donc voilà, je crois que je lui donnerai un point, ce qui fait 16 sur 24. Donc voilà. On passe à la prochaine question. La prochaine question, c'est combien d'enfants je veux? Question piège, la question 13. Voyons voir ce que Kétia va dire. Tu sens? I like the... Combien d'enfants?
Donc, elle dit que j'aurai 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. Au fait, je pense que tellement, c'est ce que je voulais avant. Je ne me rappelle plus trop bien si j'avais parlé de ça avec elle. Mais je compte avoir 3 enfants. Des jumeaux et une petite fille. Donc voilà, je ne donnerai pas de points sur ça, baby. Donc, ça te reste mon 16 sur 26. Tu restes à 16 sur 26. On passe à la question 14. Question 14. Qu'est-ce qui m'énerve? Voyons voir ce que Katia va dire par rapport à ça. Qu'est-ce qui m'énerve? Bon, déjà que Patricia est une personne qui a une forte personnalité à la base. Donc, lorsqu'elle fait le premier pas, ou lorsqu'elle fait un pas, elle ne reçoit pas le même traitement dans elle espère. Donc voilà, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est que au fait, je n'aime pas faire quelque chose pour toi ou faire quelque chose pour quelqu'un et en retour, tu ne fais pas la même chose pour moi. En fait, je pense que c'est ce qui m'énerve souvent. Donc, je pense que je lui donnerai aussi des points parce que Bénédicte, je lui ai dit ce qui m'énervait, c'est le gossip. Elle a répondu, Bénédicte a dit que ce qui m'énervait, c'était le gossip, le mensonge. Donc, elle a eu 2 points. Mais Katia, je crois que je lui donnerai 1 point parce que c'est quelque chose qui est vraiment en moi aussi, mais qui n'est pas très, très comme le mensonge. Je supporte pas le mensonge, c'est trop bas. Donc, j'ai mis 2 points à Bénédicte et à Katia, je lui mets 1 point. Donc, c'est qui la ramène à 17 points sur 17 points sur 28. Donc voilà, continuons. La 15e question, qu'est-ce que j'ai étudié et je veux être quoi dans la vie? Voyons voir ce que Katia va dire. Qu'est-ce qu'elle a étudié et qu'est-ce qu'elle veut devenir? Elle a étudié Donc voilà, j'ai fait la littéraire, back home. Donc j'ai fait la littéraire à l'école secondaire. Donc je pense que c'est ça. Et puis elle a dit que je veux être une femme d'affaires. Ouais, je suis déjà une femme d'affaires. C'est vrai que je veux être ça et tout. Mais la réponse n'était pas trop concrète. Donc voilà, je dirais que... Léa, je vous donne des points. Je vous donne des points. Donc 16 plus 2... Ça donne 18 sur 30. 18 sur 30. Donc, voilà. 18 sur 30. Et on passe à la 2e question. Suis-je amoureuse? Donc, voyons voir ce que Katia va dire par rapport à ces dernières questions. Et tout. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Laissez-moi dans les commentaires. Donc, voilà. Dernière question. Est-ce qu'elle est amoureuse? Je crois. Déjà que Patricia, c'est une personne difficile. Donc voilà, elle a dit que je ne suis pas amoureuse. Je pense que c'est la réponse vraiment. Yeah, je ne suis pas amoureuse et tout ça. En tout cas, pas pour le moment. Et mais on pourrait dire que... En fait, je ne suis pas amoureuse. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que je ne suis pas amoureuse et tout ça. Donc, elle a répondu bien à la question. Donc, 18 plus 2, ça fait 20. Et donc, elle a 20 sur 32. Wouhou! Bravo, bravo, Katia. Donc voilà, on passe à Charlie. Ça, qui se pas moi, est morte. Sometimes. Donc, par rapport à la question 7, par rapport à la question 8, il a dit que j'étais têtue. Je pense que je lui donnerai des points parce que je suis vraiment têtue. Je suis têtue, j'écoute pas, je suis têtue. Je demande à Dieu vraiment de me briser ce côté-là, de briser ma têtuness. Têtuness. Donc, de briser ça en moi, tu vois. Donc, on est à la question 8. Je crois que Charlie, en ce moment, il a 11. Sur 14. Donc Charlie a 11 sur 14. Donc on passe à la 9e question. C'est quoi mon celebrity crush? Tu fais dans le premier pas,
c'est très rare. Le jour de tes parents, on m'ennuie. Et à part celle. Donc voilà, sur 14. Sur 14, le nom de mes parents, on est sur 14. Mon deuxième prénom, il a échoué. 9 sur 10, 9 sur 12. 1 sur 14. Donc il a 1 sur 14. On passe à la 8e question. Je suis plutôt introverti ou extraverti? Introverti ou extraverti? C'est vraiment renfermé hein, comme personne. Il faut sûrement être Charlie pour pouvoir sortir des vérités en toi. Whatever. Donc, par rapport à la question si 11, si je suis plutôt introverti ou extraverti, il a dit que j'étais introverti, donc je lui donnerai les points. Je lui donnerai deux. Je donne les deux points. Donc voilà, je vais essayer de calculer ça au montage parce que lui, il a répondu un peu aux questions en désordre. Donc, je vais essayer de voir comment je vais faire ça. La destination, le voyage, tes rêves, je ne sais pas. Combien d'enfants tu veux? Mais je sais que tu aimes bien Bandaka. Three. On en a parlé. Donc, il a répondu à la question, combien d'enfants je veux? C'est trois enfants que je veux, donc c'est lui qui a... Et derrière moi, tu m'as dit que tu voulais trois enfants. Correctement. Tu veux plutôt des jumeaux et un singleton? Non, you want tricky. Des jumeaux et un singleton. Un singleton. Donc voilà, il a bien répondu à cette question. Qu'est-ce qui m'énerve? Donc on a la question 13. Qu'est-ce qui m'énerve? Donc écoutons ce que Charles va dire par rapport à cette question. What pisses you off is... I don't know, did I ever piss you off before? I did. Lies. Exactly. Si tu me connais, tu sais que je suis pas pour le mensonge. Je suis vraiment pas pour le mensonge. Je sais pas, en tant qu'enfant de Dieu, le mensonge c'est quelque chose de très grave. Le mensonge c'est quelque chose qui brise. Le mensonge c'est quelque chose qui blesse une personne. Et vraiment, Dieu vraiment aide tout le monde. J'aime pas le mensonge, surtout autour de moi. Je suis contre le mensonge parce que c'est quelque chose qui lead à beaucoup d'autres mensonges, tu vois. Donc, je lui donne tous les points. Because I remember like you once, you didn't like it. And tu n'as pas. Because I remember like you once, you didn't like it. Au moins, tu avoues que tu m'as menti une fois. Anyway. Tu n'as pas aussi. M'as-tu vu, tu vois, les hommes qui se prennent la tête? Yeah, ils me parlent que de même. Wow! Il a répondu vraiment à toute la question. Il a dit le mensonge, il a parlé de m'as-tu vu, j'aime pas les garçons m'as-tu vu, je suis le plus important, le plus intelligent, Adonis, tu te fais voir, tu parles que de toi, des narcissiques et tout ça. Ouf, ça vraiment, je supporte pas ça. Et vraiment, il a répondu bien à cette question. Je donne tous les points par rapport à cette question. Donc voilà, on passe à la question 15. La question 15, c'est qu'est-ce que j'ai étudié et je veux être quoi dans la vie? I think we spoke about it once and I figured out. Yeah. Quand tu veux, qu'est-ce que j'ai étudié, ce que je veux faire dans la vie? I'm not sure, but I know you want to become a finance person. You know the finances in a bank. Oh my god! J'ai fait business administration et finance, donc je pense que Bénédicte aussi a parlé de finance, so I think I'm gonna give them both like the points, the two points each one of them. Je vais leur donner les deux points parce qu'ils ont quand même répondu et finance est aussi dans ce que j'ai étudié. Donc voilà. Question, la question bonus qui est suis-je amoureuse? Voyons voir ce qu'il va dire parce que écoutons très bien ce qu'il va dire. Écoutons ce que je t'ai dit. Suis-je amoureuse? I don't know.
Je ne sais pas. I can't answer that one. So yeah, that was everything. J'ai répondu à tes questions. Et j'espère que Aof a passé le test. Désolé aussi d'avoir mélangé le français et l'anglais. Puisque mon français me fait des folies pour un certain moment. Donc je préfère, me sens plus confortable parler quand je parle anglais. And I know you understand English, so yeah. Donc voilà, il a répondu à toutes les questions. Essayons de voir, en fait, je pense que... On a répondu à toutes les questions, hein. La question qu'il a échoué, c'est mon célèbre crush. La première question, il n'a pas eu beaucoup de points. Donc, essayons de calculer ce qu'il a fait. Ma date de naissance, il a eu... Et tout ça, on passe à la prochaine question. La question 9. La question numéro 9, mon celebrity crush, donc la personne qui m'inspire, la personne que j'aime beaucoup et tout ça, donc voyons voir les 9. Réponses qu'ils vont donner. Mon celebrity crush, who is a celebrity crush? Oh my god. I guess, I don't know, I can't answer that question. Donc, cette question, elle a encore échoué parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé de ça avec elle et tout ça. Donc, je pense qu'elle pourrait quand même voir quand je poste mes trucs sur les réseaux sociaux. Mais bon, donc voilà. Ce qu'il fait sur 18, elle est à 10 sur 18 pour le moment. Bénédicte est à 10 sur 18. Donc, on passe à la prochaine question. Le nom de mes parents. Dixième question, le nom de ses parents. Maman Nelly et papa Arcel Song. Très bien dit, Bénédicte. Le nom de mes parents, c'est maman Nelly et papa Arsène. Donc, je lui donne les points. Donc, elle est à 12 sur 20. Donc, elle est à 12 sur 20. Donc, voilà. Et la prochaine question, la question 11. Je suis plutôt introvertie ou bien extraverti. Voyons voir ce qu'elle va dire. Voyons voir ce que Bénédicte va dire. 11e question. Je suis plutôt introverti ou extraverti. Patricia est extraverti. Elle a dit extraverti et je pense pas vraiment que je suis extraverti. En fait, beaucoup de gens pensent que je suis extraverti, but I really don't think I am like that because parfois je peux cacher ça. Je peux cacher que je suis introverti by being en étant extraverti. Donc je pense pas vraiment que je suis extraverti. Je suis plutôt introverti, mais parfois ça m'arrive d'être extraverti. Donc au lieu de donner les deux points, je lui donne un point sur deux. Donc ça lui ramène à 13. Sur 13 sur 22. 13 sur 22. Donc, on passe à la prochaine question, la question 12. C'est quoi la destination de voyage de mes rêves? Donc, voyons voir ce qu'ils vont répondre. Donc, Bénédicte. Deuxième question, la destination de voyage de mes rêves. Je crois Dubaï et Londres. Donc, elle a dit Dubaï parce que j'aimerais vraiment aller à Dubaï. J'aimerais vraiment aller à Dubaï. Mais ma destination de rêve, c'est les Antilles et les Caraïbes. Vraiment là-bas, je me dis vraiment, je veux aller dans les Antilles, dans les Caraïbes et tout ça. C'est là-bas ma place. Donc voilà, Bénédicte, je suis désolée, ça me fait trop mal de t'enlever les points. Mais it just wasn't correct et tout ça. Mais je pense que Dubaï, c'est ma destination d'aller en vacances avec mes amis. Donc voilà, Bénédicte, see you soon for there. Donc voilà, au lieu de 13 sur 13 sur 20, elle a toujours donc sur 24, elle a 13 sur 24 parce qu'elle n'a pas réussi à cette question. Et donc nous passons à la 13e question. La 13e question, c'est combien d'enfants je veux? Question piège. 13e question, combien d'enfants je veux? 4. Tu peux regarder le visage de Bénédicte, tu vois carrément qu'elle a juste guess comme ça et tout ça. Je vais pas donner la faute parce que je pense pas que j'ai vraiment parlé de ça avec elle et tout ça. Donc voilà, le truc c'est que
le nombre d'enfants que je veux avoir, c'est... Le nombre d'enfants que je veux avoir, c'est 3 enfants, genre des jumeaux et une petite fille. Si vous regardez mes vidéos, vous allez voir vraiment que j'ai parlé de ça. Donc, sur 30, sur 26, Bénédicte, t'as toujours 13, donc ça fait 13 sur 26. Donc, on passe à la prochaine question. La prochaine question qui est... La question 14, qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve? 14e question, pardon. Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui t'énerve? Je crois le bruit. Vraiment, elle a trop bien répondu, donc je lui donne deux points directs parce que je n'aime pas le bruit, je n'aime pas toutes les histoires et tout ça. Et le mensonge, c'est quelque chose qui me... Je dirais que c'est quelque chose vraiment qui m'embête, qui me dérange et tout ça. Le mensonge, vraiment. Déjà, moi, j'essaie de ne pas mentir. Et... Oh, ça sent trop bon. J'aimerais ne pas être entourée des personnes qui mentent, tu vois. Donc vraiment, Bénédicte, ma chérie, tu as bien répondu et tout ça. Je te donne des points. Donc, ça te fait 15 sur 28. Donc, on passe à la prochaine question. La prochaine question, c'est qu'est-ce que j'ai étudié et je veux être quoi dans la vie? Voyons voir ce que Bénédicte dit. Elle a bien répondu au début, business administration. She knows that. Bénédicte, tu connais ça. Elle a bien répondu au début, mais après, elle a quand même fouté. Donc, sur les 2 points, je vais donner 1 seul point sur 2. Donc, ça fait 16 sur 20 sur 30. Et donc, voilà, j'ai fait business administration et je veux être un entrepreneur. Je veux être une femme d'affaires. Un truc du genre et tout, donc ça va dans les finances, donc je dirais que je donne 1 point sur les 2 points. Et la question bonus, c'est la question 16, suis-je amoureuse? On va voir ce que Bénédicte dit. Cette question, je pense que c'était vraiment une question piège que j'ai rajoutée parce que je pense qu'il y a la différence entre aimer et être amoureuse. Je ne pense pas que je suis amoureuse. Donc, c'est ça la réponse et tout ça. Donc, c'est une question piège. Merci beaucoup, ma chérie, d'avoir répondu. Donc, voilà. Donc, ça fait 21 sur 32. Donc, Charlie a 21 sur 32. Ketia a 20 sur... 32, et je pense que Bénédicte a 18 ou 19 sur 32. Donc le gagnant, c'est Ketia. Ah non, le gagnant, c'est Charlie, d'un seul point par rapport à Ketia et par rapport à Bénédicte. Donc j'espère que ce jeu vous a vraiment plu. Et donc voilà, vous trois, je vous dis merci d'avoir participé à ce jeu. Si vraiment vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi des commentaires. Peu importe la personne qui a gagné, je vous aime vous tous, vous êtes dans mon cœur. Et ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire, c'est juste un jeu. Donc voilà, et tout ça, peut-être que... c'est juste un jeu, donc voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez la vidéo et que Dieu vous bénisse. Bye!